Les amis, faut pas que ça rigole. Vous croyez que ça rigole ou quoi? Faut se mettre bien, hein. Il faut se mettre bien. Quand j'entends un petit thé, ça fait du bien. Bon, comment vous allez, les amis? On reprend la deuxième partie du live. Il est un petit peu tard, c'est vrai. Mais n'ayant pas l'occasion d'agir en journée, alors j'essaie d'apporter ma modeste contribution en soirée, à travers ce genre de live, justement. Oui, t'es à la menthe, mon ami. T'es à la menthe. Salam Audrey, comment vas-tu? Salut Yvan, salut Joël. Et ouais, les amis, une petite pause. Une petite pause thé. Normal, normal. Bon, les amis, voilà, nous étions sur les péages. Nous étions sur les péages et donc en fait voilà, on a fait un petit tour d'horizon. C'est vraiment une synthèse que je vous ai fait tout à l'heure avec Vinci. Il manque encore FH et la SANEF, c'est en cours de réalisation. Et là c'est pareil, on a affaire à des oligarques, notamment Alain Minc qui est au conseil d'administration de la SANEF, les autoroutes du Nord. Donc quand vous irez à Lille, les amis, vous faites un Paris-Lille, vous pensez très fort à Alain Minc. Vous voyez, il apparaît dans votre tête, vous voyez sa grosse tête qui apparaît. Pensez très très fort à lui. Il préside le conseil d'administration de la SANEF. Ça vous fera plaisir, ça, quand vous paierez un péage Paris-Lille, n'est-ce pas? Donc voilà, salam, Mamar. Salam, salam. Salut Mike, comment vas-tu? Comment vas-tu? Bon, c'est rien le verre, hein. Ça aurait pu être un verre à la Franchouillard, c'était pareil, hein. L'essentiel, c'est que t'es à la monte, hein. On s'en bat les couilles de la présentation. Oui, bah oui, il faut ce qu'il faut, les amis. Hein. Un petit thé, ça fait du bien. Hein. Il faut tenir aussi avec des petites figues, hein, vous voyez. Hop, hop, petite figue. Petite figue. Bon, voilà. Donc, nous étions sur les autoroutes, les amis. Alors, la deuxième partie du live, c'est la participation. Maintenant, on passe aux pratiques. On a fait un peu de théorie, on passe aux pratiques. J'ai besoin de savoir, les amis, qui d'entre vous est prêt à se mobiliser? Réellement, concrètement sur le terrain. Qui d'entre vous est prêt à se mobiliser concrètement et réellement sur le terrain par rapport à des offensives justement sur les péages, reprendre nos péages, faire retrouver le sourire auprès des gens en levant les barrières et permettre à des gens d'économiser des Paris-Orléans, des Paris-Lyon ou des Lyon-Bordeaux, je ne sais pas. Les amis, donc je lance une demande. Qui est prêt à se mobiliser concrètement sur le terrain? Si oui, vous me contactez sur Messenger. Vous me contactez sur Messenger et on essaierait de voir comment on peut faire, en tout cas pour la région parisienne, là où je suis. Sinon, si vous êtes en province, les amis, rejoignez les constituants proches de chez vous ou des groupes de gilets jaunes proches de chez vous. Mobilisez-les, motivez-les et reprenez vos péages. Reprenons les péages dans tout le pays. Ouais, sanglier, à la tienne, hein. Petit verre de nana. Bon, je la lève pas à 3,50 m, hein, comme les Marocains. Faut avoir du. Ouais, donc voilà, tous ceux et toutes celles qui sont prêts à agir concrètement sur le terrain. Parce que là, maintenant, faut passer aux pratiques, les amis. Hein. La théorie, on aime bien, la théorie, c'est génial. Mais là, faut vraiment bouger nos fesses sur le terrain. Alors, je vous explique. Moi, personnellement, pendant ce mois-là, c'est un mois particulier, je serai de retour sur le terrain en journée au mois de juin. Mais là, au mois de mai, c'est la nuit que je vais agir, c'est le soir. Donc, s'il y a des gens qui ont des idées ou qui veulent se mobiliser, vous me contactez par Messenger et on essaiera de faire des actions en soirée. En tout cas, moi, je vais essayer de mobiliser beaucoup de monde en soirée dans les prochaines semaines. Donc voilà, si vous êtes chaud, si vous voulez agir, si vous avez enfin envie de faire quelque chose, n'hésitez pas, les amis, n'hésitez pas. Voilà. Ouais, bah ouais, Tarek, bien sûr, il faut. Donc voilà les amis. Alors, donc je repose la question. Qui parmi vous est prêt à agir sur le terrain, là, dans les prochains jours? Qui parmi vous? Alors, et bien sûr, il n'est pas question de le dire en public, mais contactez-moi sur Messenger après le live. Très important. Très important. Donc voilà, s'il y en a, merci Sabrina, toi aussi.
S'il y en a qui sont chauds pour passer à l'action sur le terrain, parce que là maintenant on a besoin de gens de terrain, les amis. On a besoin de gens de terrain. Trouver une technique pour le télépéage, un miroir. Oh, on a des techniques, t'inquiète pas, hein, pour lever les barrières et pour s'occuper de tout ça, on a déjà des techniques, hein. On est déjà aguerri à la guerre, on va dire, par rapport à ça. Notamment au mois de décembre, ça a été très fort et très riche en enseignements. Oui, donc, ce que je disais, les amis. Alors, qui veut donc agir sur le terrain? Bien sûr que tu partages, Nani. Surtout la première partie du live. Là, cette partie-là, elle n'est pas forcément essentielle. Mais la première partie, là, celle qui remonte à 15 minutes, là, quand je l'avais arrêtée, elle est très importante parce qu'elle dépeignait un tableau de Vinci et ses dérives. Et y compris de toutes les dérives de la privatisation, le scandale de la privatisation des autoroutes. Donc, très important, les amis. Hein, très, très important. Donc voilà, donc je relance l'initiative. Qui est prêt à agir sur le terrain? Pour ceux qui sont loin, qui sont en province, agissez au sein de vos péages respectifs. Agissez dans vos régions, dans vos départements. Donc très important, les amis. Là, il faut vraiment passer à l'action. Célia, là je disais tout à l'heure, ceux qui font de Paris-Lille. Très important, pensez très fort à Alain Minc. Vous vous imaginez sa grosse tête à Alain Minc, hein, parce que quand vous payez le péage pour aller à Lille, puisque Alain Minc préside le conseil d'administration, alors je ne sais plus s'il le préside encore à l'heure actuelle, mais il y a quelques années il le présidait, mais il fait toujours partie du conseil d'administration de la SANEF, la Société des Autoroutes du Nord. La SANEF, qui est une filiale du groupe Albertis, lui-même un groupe espagnol, qui est en concurrence avec Vinci, Eiffage et Cofiroute. Donc voilà. Ben ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, sanglier. Tu m'étonnes. Mais malheureusement, en France, on a ce problème. Donc il faut bien qu'on s'en occupe à un moment donné de ce problème. Voilà. Donc là, c'est un appel. Cette deuxième partie de live, les amis, c'est n'hésitez pas à me demander en live. Hein. Le but, c'est pas que je fasse un monologue, c'est qu'on échange tous ensemble. Donc s'il y en a qui veulent prendre la parole, allez-y, les amis, c'est le moment. Et on va parler pratico-pratique, comment agir sur un péage. Première des choses, quand vous arrivez sur un péage, les amis. Il faut venir en groupe. Seul, ça sert strictement à rien, vous arriverez à rien. D'accord? Au début, au mois de décembre, on prévenait la société. Hein. Carrément, on y allait, on disait, oh, ben là, on va occuper votre péage. Et ils nous disaient, d'accord, ok, très bien, bon, on va appeler les autorités. Ils les ont appelés, puis les flics nous laissaient faire pendant 1 heure. Et après, ils ont commencé à nous dégager, à nous réduire à 2 barrières, plutôt que 5, et après qu'une seule barrière à la fin. Mais on nous laissait toujours une barrière, parce que bien entendu, c'était le début des gilets jaunes, il y avait du monde, ils n'avaient pas d'autre choix que de négocier avec nous, et on était très nombreux. Donc, vous arrivez sur un péage, les amis, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut se mettre en groupe de 4-5 minimum. Et moi, je dirais le top, c'est entre 20 et 30. Ensuite, vous levez une seule barrière, une barrière à la fois. Si vous voyez qu'il y a moyen de négocier avec les flics présents ou bien négocier avec la société d'autoroute présente, vous passez à 2 barrières, etc., etc. C'est à vous de voir. Il est très important de faire attention à votre sécurité, les amis, quand vous occupez un péage. Très attention à la sécurité, parce qu'il y a des gens malveillants qui vont peut-être foncer sur vous. Nous, ça m'est déjà arrivé, où des gens ont essayé de foncer sur nous. Donc, ce qu'il faut faire quand vous levez la barre de péage, mettez-vous bien sur les bornes. Mettez-vous bien sur les bornes et pas au milieu de la route, parce que c'est extrêmement dangereux. Hein? Et là, encore une fois, par contre, le gilet, il aide. Hein. Il aide vraiment à être repéré de loin, et ça, c'est bien. Pour lever la barrière, très important de mettre des sacs poubelles avec du scotch sur les caméras, parce que sinon, les gens qui passent gratuitement, à la base, qui étaient super heureux, eh ben, ils se prennent une amende. Par Vinci ou par Eiffage. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Très important comment dirais-je, de cadenasser les caméras, donc de mettre du fil ou du scotch dessus. Alors, faut pas abîmer la caméra. Donc, le mieux, c'est de mettre un sac poubelle dessus et vous l'entourez de scotch. Comme ça se retire facilement. Super important aussi, n'oubliez pas avec vous, si c'est des opérations de nuit, par exemple, vous emportez des lampes de poche avec vous pour justement diriger les voitures vers la barrière gratuite. Ça, c'est super important. Si vous avez des plots lumineux, n'hésitez pas à les amener. Donc, matériel, il vous faut des lampes de poche, des plots lumineux si possible. Vous achetez ça à Action, hein. Il y a des bornes lumineuses LED maintenant qui se vendent très très bien. Ensuite, évidemment, tout le monde a son gilet, ça c'est clair et net. Et si les flics vous laissent une marge de manœuvre, vous négociez avec eux pour rester le plus longtemps possible. Faut toujours qu'il y en a un dans votre groupe qui négocie constamment avec les flics, mais constamment avec eux, hein. Qui reste en alerte avec eux, qui parle avec eux pour les maintenir à distance. En fait, en vérité, les flics, quand ils viennent dans un premier temps, c'est pas forcément pour nous chasser, mais c'est pour assurer la sécurité. C'est-à-dire pour empêcher qu'il y ait des accidents. Donc personne d'entre nous doit être sur la route. On doit être sur les bornes.
Et quand on est sur les bornes, on se rapproche le plus possible de la route, mais on se met en hauteur. Très important. Donc voilà, ça c'est des règles de sécurité, mais vraiment très très important, les amis. Donc voilà, si vous le faites, il faut avoir un minimum. Donc résumons, il vous faut du scotch, des sacs poubelles, des lampes de poche si vous êtes en opération de nuit. Toujours votre gilet avec vous, vous en séparez jamais et vous restez toujours en groupe, jamais isolé. D'accord? Vous vous mettez après, quand vous avez terminé ou juste avant de commencer l'action, vous vous mettez sur un aire d'autoroute qui est en bordure, pardon, de la gare de péage et vous attendez d'être assez nombreux pour pouvoir agir. Très important. Non, non, pas du tout. En général, les flics, quand ils voient arriver les gilets jaunes, ils vous foutent pas une amende comme ça. Hein. Non, non, ils sont là pour la sécurité avant tout. Ceux qui vous foutront l'amende, c'est clairement des gens qui sont mandatés par la société d'autoroute, qui viennent constater et après, eux, ils portent plainte contre vous. Donc, ils peuvent vous reconnaître. C'est pour ça qu'il faut bâcher les caméras, les amis. Bâcher toutes les caméras du péage. En tout cas, la barrière qui est levée, les deux caméras qui sont attenantes pour chaque barrière et chaque piste, vous les bâchez avec un sac poubelle. Clairement, avec un sac poubelle. Voilà. Mais honnêtement, le mieux, c'est la nuit. C'est peut-être plus dangereux, mais c'est ce qu'il y a de mieux parce que les flics sont bon, un peu plus virulents, mais en général, ils vous laissent un peu plus longtemps. La nuit, pourquoi? Parce qu'il y a moins de trafic. Donc, ils vous cassent moins les couilles. C'est pour ça qu'il faut viser les opérations de nuit et si possible en vacances, en période de vacances. Voilà. Oui, policiers, si vous voulez, si vous voulez. Bon, on s'est compris, on s'est compris. En tout cas, c'est plus souvent des gendarmes. Moi, j'ai eu affaire plus souvent à des gendarmes qu'à des policiers sur l'autoroute A6 pour notamment le Fleury-en-Bière, la gare de péage de Fleury-en-Bière en région parisienne dans le 77. Et c'est très souvent des gendarmes qui étaient là et ça s'est très bien passé parce que bah, nous on respectait les règles de sécurité. À partir du moment où vous respectez les règles de sécurité, ils vous casseront pas les couilles, pardon, si vous levez qu'une seule barrière. Si par contre vous êtes gourmand, vous levez toutes les barrières, là la société d'autoroute ne sera pas d'accord. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça se fasse sans grabuge, avec le moins de blessés possible, donc ils vous laisseront au moins 1 ou 2 heures. Et c'est là qu'il faut attirer un maximum, mais un maximum de voitures, les amis, vers la piste qui aura la barrière ouverte. C'est pour ça qu'il faut toujours 2 personnes minimum pour chaque barrière ouverte, pour attirer les automobilistes vers la barrière ouverte pour qu'ils ne payent pas. Et assurez-vous bien que les caméras sont bâchées avec un sac plastique et un scotch, sans abîmer la caméra, bien entendu, les amis. Sinon, Vinci va porter plainte contre vous, ou Eiffage, ou la société d'autoroute qui exploite comment dirais-je, la portion d'autoroute. Voilà. Donc, on est d'accord, les amis? Le matos, c'est sac poubelle, scotch, lampe de poche, borne lumineuse, et vous êtes en groupe, et vous restez toujours en groupe. Très important. Et très important de prendre les tickets avec vous. C'est-à-dire que la personne qui va passer gratuitement, vous lui demandez son ticket, comme ça vous les gardez, et vous serez à la fin, vous allez comptabiliser le nombre d'automobilistes qui sont passés gratuits grâce à vous. Et là, vous allez retrouver avec une centaine de tickets, vous allez être heureux, croyez-moi les amis, et les gens qui vont passer gratuitement seront heureux de le faire. Et vous tomberez aussi sur des cons, sur des gens qui disent « Non, non, moi je veux payer, j'ai payé un service, laissez-moi tranquille. » Eh ben, foutez-lui la paix, laissez-le payer. Laissez-le payer sa connerie, il ira sur une autre voie. Mais en tout cas, sur la voie où la barrière est levée, toujours par deux, toujours en groupe, toujours le gilet jaune, jamais quitter le gilet jaune, et avoir des sacs poubelles avec vous pour bâcher les caméras sans les endommager, bien entendu. C'est le premier truc qu'il faut faire quand vous arrivez sur site. Voilà. Et puis, bien entendu, dans votre groupe, toujours un qui discute et qui négocie avec la police ou la gendarmerie pour rester le plus longtemps possible sur la gare de péage. Voilà, les amis. Alors, merci, Paciencia. Toi aussi. Ouais, et bah, à la tienne, Guillaume, hein. Donc voilà les amis, ça c'était du pratico-pratique par rapport aux opérations de péage d'autoroute. Donc maintenant, si les amis, s'il y en a qui veulent intervenir sur le live pour qu'on échange, n'hésitez pas. Alors le cas de Narbonne et le cas des 1 an de prison ferme, c'est normal, les amis, ils ont brûlé une station de péage. Enfin, à un moment donné, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut lever des barrières pour permettre aux gens de passer gratuitement. Ce qui est complètement différent. Ce qui est complètement différent. Le but, c'est de faire perdre l'argent, enfin de faire perdre le plus d'argent possible aux sociétés d'autoroute, c'est-à-dire APRR qui appartient à Eiffage, Cofiroute qui appartient à Vinci, etc. Donc voilà. Comme tout le monde faisait au début, exactement Rachel, on va reprendre l'ADN du gilet jaune. Et c'est là qu'on va marquer des victoires, les amis. C'est là qu'on va marquer des victoires. Donc encore une fois, je fais. Non, 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 c'est du thé à la menthe, tout simplement. Allez hop.
Donc voilà les amis, il faut absolument revenir sur nos autoroutes. Exactement, pour éviter la vente d'ADP, on peut faire la même chose aussi avec la nation, enfin, avec la privatisation des autoroutes. On peut très bien demander une nationalisation des autoroutes et on demande un référendum populaire. Ça peut se faire les amis, on peut essayer, hein. On peut essayer. Bon les amis, si personne ne passe en live, moi je vais arrêter le live parce que le but c'était pas de faire un monologue, c'était d'échanger avec vous et surtout de passer mes messages par rapport à la mobilisation massive de tous les gilets jaunes de France pour reprendre nos péages. Voilà, comment on fait pour passer en live? Faut que tu fasses la demande, faut que tu aies la petite pastille verte et que tu fasses ta demande de live, tout simplement. Ah, ça y est, ok. Alors, ça c'est qui ça? Nani Kani. Ah. Alors, l'ajout est en cours. L'ajout est en cours, les amis. Ah, je veux bien partager avec toi, mais si t'es loin. Allô, allô? Allô? Oui? Ouais, je t'entends. Salam. Salam. Salam à tout le monde. Salut à toi. Moi, je dis Alors, au reste. tu voulais intervenir? Oui, parce que je n'ai pas reçu, enfin, en tout cas, je n'ai pas eu l'occasion de voir, en fait, ta première partie de ton live. Ouais. Ce qui est très embêtant, mais ce que j'entends sur le second, c'est que tu insistes pour qu'on puisse reprendre les ronds-points, c'est ça? Non, les péages. Ah, et les ronds-points. Alors les ronds-points, ça se fait déjà. Hein. Ça se fait déjà de Oui, plus en plus dans les oui. départements. On revient de plus en plus à l'ADN gilet jaune. Et là, l'objectif vraiment, c'est de reprendre massivement les péages. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je disais dans la première partie vidéo, j'expliquais en fait les dérives de Vinci. Qui était Vinci? Quel était ce groupe? Pourquoi ils veulent privatiser absolument? Et surtout les noms de ceux qui ont vendu nos autoroutes aux sociétés privées. C'est-à-dire Jospin, Fabius et de Villepin, surtout de Villepin en 2006. Donc une fois qu'on a trouvé les noms et les causes, on va s'attaquer aux conséquences. Et les conséquences, c'est que c'est nous qui payons et qui se faisons racketter au quotidien sur les aires d'autoroute. Et ça, c'est inadmissible, il faut cesser ça. Et s'il y a une chose que j'ai remarqué, tu vois, c'est qu'au mois de décembre, quand on était vraiment à notre apogée au niveau des Gilets jaunes, une action qui marchait chez tout le monde, quelles que soient nos couleurs politiques, nos pensées, nos idées, c'était les péages, justement. Ça rassemblait du monde et ça faisait plaisir à tout le monde, y compris aux automobilistes. Parce qu'on levait des barrières et on permettait à des gens de passer gratuitement. Et surtout, on faisait perdre de l'argent aux sociétés d'autoroute. Et ça, c'est une victoire des Gilets jaunes, indéniable. Simplement, si tu me permets, pardon, Ouais, vas-y. Wilson, si tu me permets, faut pas être à 50 sur un rond-point, enfin, pardon, un péage. Faut être au moins 100, 200 personnes pour pouvoir ouvrir les péages. Bien Parce que sûr. les flics, ils ne peuvent pas être là. Au bout de 200, 250 personnes, ils ne peuvent pas être là. Et pas tous nous prendre. À 50, ils nous prennent. On le sait, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu faire. Donc du coup, non, 50, ça ne sert à rien. Donc effectivement, il faut que les gens, non. Ben, comment ça dépend? Ça Ça dépend. dépend de quoi? Bah, si tu es 50 et que tu prends une barrière de péage, une seule, et que tu négocies avec les flics de rester au moins 2 heures, c'est 2 heures de perdu pour Vinci. Tu vois ce que je veux dire? C'est déjà ça. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est dégager quand ils nous disent de dégager, de revenir tout de suite après. C'est un jeu du chat et de la souris pendant 2, 3, 4 fois jusqu'à épuisement. Jusqu'à épuisement, et ça marchait très bien comme ça. Je crois pas, nous, par chez nous, de par chez nous, non. Dans le sud de la France, ça ne fonctionne pas pareil. Si tu es 50 à une barrière d'autoroute, 50, ils te prennent tous. 50, les 50, tu es en Ça garde à dépend quel vue. péage. Ça dépend quel Bah, péage. c'est un gros péage, c'est de la neuf, c'est. Voilà, ce sont des gros péages. Ça vient de l'Espagne, ça passe par ici, enfin voilà quoi. Le problème, tu vois, c'est que mobiliser 200 personnes, ça ne peut pas passer inaperçu, cette mobilisation. Parce que sur les 200, tu as forcément 2 ou 3 personnes qui ne seront pas discrètes. Donc l'information va arriver aux yeux des flics. Ils vont se dire, Forcément, oh, il est mort. forcément.
Forcément. Alors que là, que les actions qu'on se prépare, personne ne saura quand et comment, jusqu'au dernier moment. Donc, quitte à qu'on soit que 20, c'est pas grave, Non, mais mais c'est plus dur de il est gagner. là le truc, c'est-à-dire qu'il faut faire la chose à la dernière minute. Un rassemblement, par exemple, peu importe les appels qu'il peut y avoir nationaux, les appels nationaux, un soir, il faut que tout le monde le sache, et hop, prendre un rond-point. Enfin, un rond-point, pardon, merde. Un péage, y aller, tous. Faut pas que l'information soit diffusée, ça c'est clair, je suis d'accord. Sur les réseaux sociaux, c'est de la merde. C'est bien pour diffuser des choses, mais pour les actions, non. Il faut que ça se fasse de bouche à oreille sur la manif. Exactement. Mais bon, c'est, tu vois, c'est Il y toujours a compliqué. trop d'infiltrés, même chez nous, en tant que manifestants. Oui, Gilets mais ça, jaunes. si tu veux, c'est pas une nouveauté. C'est pas une Je nouveauté. sais. C'est pour ça ce que je te dis, c'est qu'on fera ce qu'on peut. On fera ce qu'on peut avec les moyens du bord. Et si on a attendu, bah tant pis, on sera attendu. Mais il faut déjà essayer. Il faut essayer de se remobiliser. On va pas attendre qu'on soit 500 ou 400, ça c'est pas possible, c'est le monde des bisounours ça. Si on est 50 déjà, c'est énorme. Si on est 50, c'est énorme. Par contre, il faut le faire dans toute la France. Dans toute la France. Et là, je renouvelle mon appel national. Il faut que vous soyez gilet jaune, que vous soyez constituant, convergent, ce que vous voulez. Reprenez les péages massivement et reprenons nos autoroutes. Reprenons nos autoroutes, clairement. Clairement. C'est ça le Ok. but, hein. C'est ça l'objectif, et pas autre chose, parce que sinon on va jamais s'unifier, hein. Là, actuellement, au sein des Gilets jaunes, on a un problème d'union. On a un problème d'union parce que, bon, on peut être complémentaires, on fait tous des choses différentes, et c'est normal. On peut être complémentaires, mais on a un problème d'union parce qu'actuellement, on est paralysé, en fait, par les brouilles, on va dire, entre leaders et les brouilles idéologiques entre certains mouvements. Et ça, c'est en train de nous pénaliser. C'est en train de nous pénaliser. Donc, pour avancer, il faut trouver des actions unificatrices. Et les actions unificatrices, pour moi, ben, c'est les péages. C'est clairement les péages. Ouvrons les péages, certes, pour les gens qui partent en vacances, certes, pas de souci pour ça. Et ça permet à des gens d'avoir le sourire, de rentrer chez eux en ayant économisé un trajet. Et franchement, moi, je dis, c'est tout bénef. Et tout le monde sait à quel point c'était unificateur. À l'époque, enfin au mois de décembre et fin novembre, quand on était en pleine ascension au niveau des gilets jaunes, là, les gens manifestaient les uns à côté des autres. Il n'y avait pas de différence idéologique, il n'y avait pas de différence de, tu vois, de classe sociale ou d'autre. On était unis. Et je ne comprends pas qu'en si peu de temps, en même pas en l'espace de quelques semaines au mois de janvier, tout a été foutu en l'air. Les causes, on les connaît à peu près, ce n'est pas le but d'en parler ce soir. Il faut donc maintenant retrouver une certaine voie unificatrice. Et pour moi, l'action unificatrice actuellement, c'est les péages. C'est mon avis, hein, je peux me tromper. Hein. Je peux me tromper, mais pour moi, c'est quelque chose vraiment qui peut mobiliser. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Oui, bon, c'est une grosse partie, oui. Effectivement, il faut ouvrir les péages pour tout le monde, pour tous ceux qui n'ont pas d'argent pour pouvoir partir en vacances, parce qu'ils en ont aussi besoin, ceux qui n'ont pas enfin, qui ont des enfants, etc. Enfin, bon, bref. Mais, ouais. L'ouverture des péages est essentielle. D'accord, alors on nous dit que Vinci est assuré contre l'ouverture des barrières. Oui, bah ouais, effectivement, ils sont assurés, mais on s'en fout en fait. Ça, c'est pas grave. Ils ont qu'à faire péter leur assurance. Nous, ce qui compte, c'est que les gens ne payent pas. Clairement. C'est un peu le but. Après, on m'a dit à plusieurs reprises, vous filtrez quand vous prenez les ronds-points, vous nous faites chier. Il y en a plein. Après, à mon avis, ce sont des foulards rouges. Vous nous faites chier, et Tutti et Quenti. Non, mais là, Moi, au boulot, justement, non on va pas mais. les faire chier. Là, ils vont être contents. Ils vont pas se plaindre, ils vont être contents. Ils vont être contents de passer gratuitement. C'est ça le but. Alors, très important à tous ceux qui me disent que ils ont eu des problèmes apparemment suite à des passages de barrières gratuites. Ils ont été rattrapés par la société d'autoroute et ils sont condamnés au TGI. Ça, c'est faux.
Je vais vous dire Alors, c'est quoi le niveau. qui nous montre leur convocation dans ces cas-là. Parce que, alors là, il y en a beaucoup qui l'ont dit, mais on n'a jamais eu Oh, mais si, de c'est vrai, preuves. si. Moi, je l'ai vu. Moi, j'en ai vu des preuves. Moi, j'en ai vu, on les a montrées. Et tu sais d'où ça vient le problème? C'était de notre propre faute, en fait, parce qu'il restait une caméra qu'on n'avait pas bâchée. Si toutes les caméras ne sont pas bâchées, eh ben, on est mort, c'est sûr, on est mort. Donc, très important, les amis, quand vous investissez les péages, n'oubliez pas de bâcher les caméras qui concernent la voie où vous levez la barrière. Sur une barrière de péage que vous levez, il y a deux caméras à bâcher à chaque fois. Une à gauche, une à droite. Faut jamais, jamais les oublier. Ah, mais il y en a au-dessus, il y en a bien avant, il y en a bien après. Non, 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 mais c'est les deux, c'est ces Sérieux, deux-là. En fait, c'est tu ces peux. deux-là qui voient ta plaque. C'est ces deux-là que je te dis qui voient ta plaque. Et celle-ci, à chaque fois que c'était bâché, il n'y a jamais eu de souci. Hein. J'ai jamais entendu de gens qui ont eu des problèmes par rapport à ça. Ah. Non, c'est plus compliqué que ça, à mon avis, hein. À mon avis. C'est mon avis propre. Mais je pense que c'est bien plus compliqué que ça. Je pense que l'État aussi fait bien les choses passer comme ils le veulent. Enfin bon, bref, ce n'est que mon juste avis. Après, ouais, Oui, non, il faut prendre des on précautions. a des infiltrés de partout, Wilson. Bien sûr, je sais. On a trop d'infiltrés. Trop. Trop. C'est le système qui contre-attaque. Il fallait s'y attendre. Il ne fallait pas s'attendre à que ce soit une partie de plaisir. Hein. Ça, c'est clair et net. Il hein. Faut pas s'attendre à ça. Tu sais, c'est ce qu'on appelle des acteurs de crise. Tu as des agents d'influence. Tu as aussi des policiers en civil. Il hein. Faut pas l'oublier que ça existe aussi Ah au sein ben des bandes. oui, des Surtout au sein casseurs des. policiers, des casseurs Ben voilà, gilets donc jaunes qui bien sûr, sont ça a toujours policiers. existé. Enfin bon, ben voilà quoi, Ça on a a. toujours existé, ça a toujours existé bien avant nous, hein, bien avant les gilets jaunes. Ça a toujours existé dans toutes les manifs, dans tous les mouvements sociaux, y compris au sein des Bonnets Rouges. Enfin, ça a Oui. toujours existé. Ça a tout... Alors, encore pire en milieu dissident, au sein de la dissidence même. Donc ça, c'est normal. Donc ça, il y a un travail en cours pour les dénoncer. Y en a qui sont spécialisés pour ça. Et j'en connais pas mal qui le font. Ils font un travail là-dessus. Maintenant, moi, ce que je m'occupe, c'est des oligarques. C'est eux mon problème. Les infiltrés, de toute façon, c'est simple. Hein. Ils seront démasqués petit à petit. Ils seront démasqués naturellement. Ils font toujours une erreur en général. Ils font toujours une erreur fondamentale qui les trahissent. Donc, ce n'est pas un problème. On s'en occupera après. Pour l'instant, la première des choses, c'est de ne pas oublier les oligarques. Parce qu'eux, ils rigolent. Hein. Quand nous, on ne s'occupe pas d'eux, comme je te disais, quand ils Oh. sont bleus, ils sont gilets jaunes, ben, ils sont bien contents. Oui, et il est bien là le souci. Donc, attends, juste poser une question. T'es Vas-y, pour vas-y. le vote ou pas pour le vote? Je suis absolument contre le vote. Et moi, la consigne que je donnerai aux gens, c'est de ne surtout pas voter. Yes. Yes. Ouais, bon, bah ça va. Moi, ça me va. T'es mon C'est une pote. terrible erreur d'aller voter. Terrible erreur d'aller. À partir de là, t'es mon pote. Parce que moi aussi, je suis abstentionniste, mais depuis. Amen. Ça sert à Pas rien le vote. amen. Je vous Bon, le dis, bien ça sert sûr, bien strictement sûr. à rien. Je vous... Alors Bien après, sûr. bon, les raisons, ça nécessiterait un live à part entière pour qu'on explique les raisons. Mais moi, c'est clair et net. Non, non, non seulement je ne voterai pas, je brûle, mais j'ai brûlé ma carte électorale il y a quelques années de cela et j'ai expliqué pourquoi à l'époque je l'avais fait. Et c'est clair et net. Franchement, aller voter, c'est quelque part trahir son engagement de dissident. Aller voter, c'est juste légitimer le système encore plus. Aller voter, c'est tout simplement bah, se résigner en fait. Se résigner à voter pour un représentant qui ne vous représentera jamais. Et qui lui, par contre, va représenter son parti, va représenter la République, l'oligarchie, tout ce qu'on veut abolir, justement. Il me semble que Coluche disait à un moment donné d'aller voter, c'est enfin si d'aller voter était un ou alors attends comment qu'il disait lui que d'aller voter en fait bon ben, c'est de la merde et que si en fait on n'allait pas voter. Enfin, je sais plus, merde. C'est Coluche qui disait ça. En gros, d'aller voter, c'est de la grosse merde. Sinon, voilà quoi. Sinon, les choses changeraient, évidemment. Sinon, ce serait interdit de ne pas voter. En gros. Ah non, si, non, il disait quoi? Il disait si le vote était utile, depuis longtemps que ça aurait été interdit.
C'est ça, voilà, en gros, c'est Tchac, ça. c'est pas Bon, une équipe. bah, Bah après, non. je Voilà, parle à la clairement. marocaine, hein. Excuse-moi, hein. J'ai pas les mots, j'ai pas les termes pour, mais oui, effectivement, c'est ça. C'est ça. Donc, ça craint. Pourquoi pas bloquer les bureaux de vote, que nous dit Tony Castillo? Bah oui, pourquoi pas. Alors le problème de ça, c'est que moi je pense pas qu'il faudrait faire ça non plus, parce que d'un autre côté, tu vas entraver la liberté de ceux qui auront choisi ça. Alors bien sûr, moi je serai en colère contre ceux qui font ça, mais c'est leur choix, c'est leur liberté, je suis obligé de la respecter. Donc bloquer un bureau de vote, ce serait peut-être contre-productif, mais l'idée est bonne en soi. L'idée est bonne. Donc voilà, alors qu'est-ce que tu proposes, Nani Kani? Est-ce que toi, tu vas t'investir sur le terrain au niveau des péages? Ah ben oui, forcément. Et puis avec ma team de Montpellier, on est à Ah, fond. bah, tu leur passeras un grand bonjour de la part des constituants au Montpellier. T'inquiète pas, je crois À la que... paillade. La paillade. Écoute, on est un groupe. Bon, donc voilà, donc c'est Gilets jaunes Montpellier. On est plus de 17 000... On a quoi? On gère plus de 17 500 adhérents. Donc voilà quoi. On sait très bien ce qui se passe de partout. Et avec les constituants, ben, ce serait bien qu'on soit aussi avec vous et que vous soyez sur notre page. Par exemple, Sirius, viens sur la page. Avec les constituants, viens sur la page et viens voir. Écoute, y a pas de souci, avec plaisir. Tu demandes de suite l'invitation, je t'accepte de suite. Eh ben écoute, il n'y a pas de problème, je vais aller voir ça. Ça s'appelle quoi, Gilet jaune Montpellier? Gilets jaunes Montpellier. Gilets jaunes Montpellier. C'est le Ça plus marche. gros groupe de Montpellier. Voilà. Donc on diffuse tous les samedis, tous les lives en direct, toute la semaine et toute la nuit. On fait en sorte de nourrir la page, pas avec comment te dire, des fake news, mais on va chercher en fait les informations. Donc ça prend beaucoup de temps. Et voilà, ouais. Ok. Bon, écoute, je vais devoir passer à quelqu'un d'autre. Je vais regarder la liste. En tout cas, je te remercie de ton témoignage et sache que toute bonne volonté pour investir les péages seront les bienvenues. N'hésite pas à me contacter sur Messenger si tu as une idée d'action. Et puis moi, je vais essayer de voir s'il y a des constituants qui sont proches de chez toi ou du côté de Montpellier. Ok, et eh ben tu me les envoies ou tu les envoies sur ma page, il n'y a pas de problème. Sur le groupe, il n'y a pas de problème, on fera attention. Si on me nomme Nani Kani ou alors l'une des modératrices ou des administrateurs du groupe, on y fera très attention. On y prêtera attention. Et oui, de toutes les façons, l'ouverture des péages est un objectif. Ça Donc fait voilà. ça. Moi, pour moi, ça doit faire partie d'une stratégie en fait pour unir un petit peu les gilets jaunes dans cette période de division actuelle. Déjà qu'on a eu des problèmes avec les infiltrations politiques et syndicales, qu'on a des problèmes entre infiltrés et puis Trop, gilets jaunes trop. authentiques au sein même du mouvement. Donc moi je me dis, on arrive à un moment justement, il faut unir nos forces, quelles que soient nos différences, et il faut leur rentrer dedans à un moment donné. C'est Gilets bon. jaunes, on est Point de résultat. apolitique. Point barre. Point de résultat. Si les gilets jaunes politiques, bah, qu'ils aillent se faire foutre. Franchement, je te le dis honnêtement, le gilet jaune est apolitique. Point barre. C'est clair, depuis le début, Point hein. On l'a barre. fait. On Je l'a peux dit. être radical là-dessus. On peut m'insulter. Je m'en bats les cacahuètes. Même si je ne les ai pas, on me les a fait pousser à force. Mais je m'en moque. Donc Alors, voilà. je voulais répondre à une question de Marie-Hélène. Marie-Hélène, il n'y a pas encore de constituants sur Marseille. On essaie de voir un petit peu dans toute la France, mais il n'y a pas encore de constituants, en tout cas, qui sont prêts à créer une équipe là-bas. Si toi, tu veux créer une équipe, n'hésite pas à en être l'origine et on t'aidera pour trouver du monde avec toi. Voilà, Marie-Hélène, pour la réponse. Oui, sur Marseille, c'est vrai que c'est un peu chaud, hein. Il n'y a rien
pas grand-chose. Après, on peut comprendre aussi que Marseille soit aussi. C'est quand même un point. Enfin, voilà, il y a le port de Marseille, ça vient de partout. Il y a tout qui transite là-bas. Enfin, voilà quoi. Je peux comprendre qu'il y en ait plein qui ne veuillent pas passer. Comprends-le aussi, Sirius. C'est un port. Marseille, c'est Marseille. Ils sont complètement bloqués. Ils peuvent pas parler. Après, voilà, je pense qu'il y a quand même des gilets jaunes qui ont dû faire des choses intéressantes. J'imagine des gens qui ont bloqué le port, par exemple. Mais et Imaginons. comment ça? D'où? Sinon, tous, nous, on va sur Marseille, on va bloquer le port à Marseille. Mais attends, c'est là où tout transite. Quasi Après, tout transite. il y a le problème du syndicalisme là-bas. Bon, ça, c'est encore une autre histoire, mais il faut voir avec les gilets jaunes qui sont sur place. Faut voir avec les gilets jaunes qui sont sur place. Voilà, Wally. Bon, est-ce que tu aurais un mot pour conclure? Eh ben, le simple mot que j'ai envie de dire, c'est enfin la phrase, c'est on ne lâche rien. On ne lâche rien. 6 mois après, on ne lâche rien. Tous les politiques disaient qu'on allait lâcher. On ne Non, on lâche lâchera. rien. Ah non, on lâchera pas. C'est juste que bon, on s'est pris quelques défaites, mais on a mis quelques petites victoires au début, en novembre-décembre, on a mis des victoires. Donc on va reprendre le front, on va reprendre l'offensive. On ne faisait que contre-attaquer pour l'instant parce qu'on subissait des infiltrations partout. Mais là, ça y est, le beau temps arrive, on va contre-attaquer. Et là, on appelle à une mobilisation massive sur tout le territoire. Je dis bien massive. Alors, dans Voilà. ces cas-là, on va être en contact parmi nos groupes et ouais, les appels ben, se feront. Il n'y a pas de souci. On fait ça. On se met en contact. On se met en lien. Ça marche. Bon, allez, prends On se soin met de en lien. toi et puis je verrai par rapport à ta page Gilet jaune Montpellier. Allez, force honneur à toi. Ben, force et honneur à vous aussi. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ouais, témoignage intéressant côté de Montpellier. Je voulais répondre à une question de Delphine, je crois, qui me demandait s'il y avait des constituants à Strasbourg. 67. Delphine, tu tapes Gilet jaune constituant 67, tu vas trouver la page. Tu vas trouver la page. D'accord? Et tu t'attendras juste à communiquer avec eux directement. Voili, voilou. Sinon, pour du côté de Bordeaux, il y a une équipe qui devait se monter, ça s'est pas fait, parce que, y avait des gens qui n'étaient pas sérieux. Et il y a une personne qui veut toujours faire quelque chose et elle attend vos propositions. Voilà. Et les amis, tout simplement, il faut vous mobiliser. Si vous voyez qu'il n'y a pas de gilet jaune constituant dans votre secteur, et ben vous créez vous-même une équipe. Tout simplement. Soyez mobilisateurs, soyez la cause. Ouais, on est d'accord, François Radical. On est d'accord. Mon ami, je suis d'accord avec toi. On a perdu beaucoup, beaucoup de temps, ça c'est clair et net. Mais bon, on va le regagner ce temps-là. On a fait des erreurs d'appréciation. On a découvert qu'on était infiltré de partout. Maintenant, on fait le ménage, mais on va contre-attaquer. Il faut pas oublier qui est notre ennemi, c'est l'oligarchie. Donc on va contre-attaquer. Et là, il est temps maintenant de clairement de faire quelque chose, quoi. Ça peut plus continuer comme ça. Alors, Fabien, pour répondre à ta question, le rôle des constituants, c'est quoi? Les constituants, les gilets jaunes constituants, c'est d'une part renverser l'oligarchie parce qu'on a fait un constat et on a découvert qui ils étaient. Une fois que tu fais le constat, tu découvres quelle est la nature du problème, tu vas trouver des solutions. Et la solution pour nous, c'est de réécrire une constitution citoyenne, d'où le nom constituant. Réécrire une constitution citoyenne, ça veut dire la responsabilisation de tous les citoyens en France. C'est-à-dire que massivement, les Français devront réécrire ensemble leur constitution et placer un gouvernement de transition en place une fois qu'on aura fait chuter le gouvernement Macron et l'oligarchie, bien entendu. Alors ça, c'est dans le meilleur des mondes, évidemment. On a du chemin encore. Voilà, c'est ça être constituant. Être constituant, c'est savoir s'élever un petit peu au niveau, se mettre un petit peu au niveau et de proposer une constitution pour notre peuple, pour notre nation. Et les Français, suite à la réécriture de cette constitution, décideront de ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent une république, une monarchie? Est-ce qu'ils veulent une démocratie première? Est-ce qu'ils veulent un conseil consultatif? Enfin, je ne sais pas, mais c'est eux qui décideront.
Moi, personnellement, mon rôle s'arrêtera à la chute de l'oligarchie. Après, j'ai ma propre opinion sur le sujet et je ne pense pas rester en France. Mais en tout cas, pour l'instant, mon objectif, c'est de faire chuter cette putain d'oligarchie et j'irai jusqu'au bout de mes principes. Voilà. Voilà ce que c'est que d'être constituant. Tout simplement. Alors, je vais prendre la prochaine personne. Alors, Maxime Moine, tu saurais nous mettre en contact avec ton gars de Bordeaux? Les gens qui te suivent, ok, alors c'est simple, tu vas prendre contact avec moi, Maxime Moine, sur Messenger et je t'expliquerai quelle est la personne qui cherche une équipe. D'accord? Allez, allons-y. Seb, c'est parti. Ah, il y a un refus. T'as un problème de connexion, Seb, visiblement. Je relance, mais il y a l'air d'avoir un problème de connexion. Est-ce que tu peux vérifier ta connexion Wi-Fi ou 4G ou... Jean-Cri Acros. Non, malheureusement, toujours pas de constituant. Mais on avait déjà parlé de ça, je crois, Jean-Cri Acros, là, du côté de Tarbes. Seb, ça marche toujours pas, il faut que tu me refasses la demande. La demande. Ouais, il faut que tu me refasses la demande. Allez, Steph, on réessaye. Pareil avec toi, ça ne marchait pas la dernière fois. Je refais l'essai encore. Toi aussi, tu as un problème visiblement de connexion. Oui, Sirius, Wilson. C'est bon, t'as au téléphone. Voilà. Tu m'entends? Je t'entends. Ok, je suis allongé, tranquille, parce que là, il est tard maintenant, mais bon. Alors, je t'avais eu au téléphone il n'y a pas longtemps, sur Messenger. Donc, bon, le sujet, donc, c'est l'ouverture des barrières. Bon, c'est une bonne chose. Tout à l'heure, j'ai mis un petit commentaire. J'ai dit, parce que c'est une vérité, c'est que Vinci est assuré pour ça, donc ils vont pas perdre d'argent. Tu disais? J'ai pas entendu, excuse-moi. Que Vinci est assuré pour l'ouverture des barrières et qu'ils vont pas perdre d'argent. Donc c'est bien, Ah mais. oui, mais nous, ce qui nous intéresse, alors, effectivement, on souhaiterait qu'ils perdent de l'argent, mais ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est surtout que les automobilistes, c'est-à-dire nos concitoyens, qui sont aussi pour beaucoup des gilets jaunes, puissent passer gratuitement. C'est symbolique et c'est une action unificatrice. Et ça peut te souder un groupe, ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça Ouais. peut souder un groupe. Mais est-ce que C'est ça c'est. qui Et est puis, important. mais je sais aussi que ton idée première, c'est ce que tu fais et c'est ce que moi je fais aussi, c'est de prendre les nationales. Donc ça peut aussi fédérer les gens que de dire de prendre les nationales, quitte à se donner des rendez-vous sur des communes précisément, faire marcher les commerces, voilà, revisiter la France. Là, ça c'est une solution aussi. C'est la solution Bien la plus sûr. radicale. À long Bien terme, sûr. je dirais que c'est la solution. La solution Oui, d'ouvrir les bien sûr. barrières, à court terme, c'est bien, ça fait, ça va faire, mais ça va faire quoi? Ça va faire encore des dégâts. Si on veut, alors, moi, je pense Pour faire les que deux. aujourd'hui, Wilson, beaucoup de gens savent, tout le monde ou disent en tout cas, mais savent pas qu'il y a complot. Donc moi, je vais parler de complot. Je t'ai déjà parlé de complot l'autre jour. On va y aller. C'est parti. Si vous voulez vous fédérer, les gens, les Français là. Faut que vous compreniez qu'il y a complot. Donc, on va commencer par le commencement. François Boulot, c'est qui? François Boulot. François Boulot. Tu m'entends, Wilson? Non, t'écoute, vas-y. Ok. Donc, François Boulot, si on regarde sur Wikipédia, bah maintenant il n'y a plus rien, mais à l'époque, il y avait encore un truc sympa d'ailleurs, où il était presque dit comme un messie. Enfin, c'était. Je ne sais pas qui écrit Wikipédia, mais bon. En tout cas, enfin, ce sont les gens qui écrivent, mais il y a quelqu'un forcément qui peut donner l'aval ou pas des commentaires. Donc François Boulot, son père, comme il était dit dans les journaux, a une société dans les portails, et sa mère est commerçante. Le raccourci est vite fait. Son père n'a pas qu'une société.
François Bouleau fait partie de l'une des sociétés, a priori, enfin a priori c'est certain, une SCI, dont il est également donc gérant depuis quelques années, avec d'autres personnes. Souvent dans la SCI, on greffe les enfants, etc. Cette société SCI est donc gérée par Monsieur Jean Raymond, c'est ça, c'est son père, hein, Bouleau, et une tierce personne qui s'appelle Colombel. Donc dans les personnes, alors c'est là que je, Wilson, si je dis Colombel, tu sais de quoi je veux parler. Vas-y, continue. On continue, on y va. Mais oui, mais c'est ça, il n'y a personne qui nous parle des Colombelles en France aujourd'hui. Continue, mais attention mon ami, il faut que ça reste dans le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est les autoroutes et les actions sur les autoroutes. Mmh. D'accord. Ouais, non, ben là-dessus, d'ailleurs, chez Vinci, j'ai essayé de trouver, voir s'il y avait quelqu'un du gratin. Il n'y avait personne. Xavier Lullard, qui est le PDG de Vinci Général, et Pierre Coppet, qui est le président de Vinci Autoroute. Pierre Coppet, il faut savoir que c'est le fondateur de l'association Aurore. Et il gère des centres d'hébergement d'urgence. Et apparemment, on est en train de creuser, il y aurait un scandale derrière un des centres qui est situé dans le 16e arrondissement. Donc, future data à venir. Intéressant, intéressant. Il y a le scandale du Qatar aussi, hein, avec David Lullard. Hein. David Lullard qui savait pertinemment que les ouvriers pakistanais et indiens travaillaient entre 60 et 70 heures au Qatar et que la société filiale de Vinci, qui s'appelle Qatar Holding LLC, ne respectait absolument pas les conventions du travail. Hein. Je vais quand même poursuivre sur le sujet parce que de toute façon, tout est lié. Tout est lié, on parle d'économie, on parle de bourse, on parle de manigances qui ont, de toute façon, c'est tout, que ce soit Vinci ou quoi, tout ça c'est de la manigance. Bon. Donc François Bouleau est gérant de minoritaire du coup, mais avec d'autres personnes, depuis 2012, il a été greffé sur l'une des trois sociétés de son père, qui est donc dirigée par son père et par un dénommé Colombel. Donc au sein de cette société, en 2012, on a donc François Bouleau et d'autres personnes qui ont également le nom de Bouleau, ça doit être des sœurs ou des cousines, j'en sais rien. Ainsi que donc quelques personnes qui s'appellent Colombel. On a notamment un Guillaume Colombel, vous m'entendez bien? Vous allez voir. On a un Guillaume Colombel qui lui travaille en fait, il est haut cadre à la BPE, la Banque Privée Européenne. Le patron de la BPE passe à la BFM TV très régulièrement. Donc le père de François Bouleau a une société donc en commun avec un dénommé Colombel. Et si ensuite vous fouillez sur les Colombel partout en France, vous allez vous amuser, ou plutôt vous allez pleurer. Donc aujourd'hui, moi je dis c'est bien, on parle d'aller lever les barrières, mais ça, c'est bizarre parce qu'il n'y a personne qui aujourd'hui en France parle de la famille Colombel. On en fera un long sujet. De toute façon, les élections ne se passeront pas comme il est prévu. Il est hors de question qu'on laisse passer ça. Ça fait des mois que l'on sait. Du moins que moi je sais. Puis que j'essaie de. C'est comme une patate chaude. Personne ne veut la prendre. Non, il faut. C'est important. Et tu devrais te mettre en contact avec les youtubeurs là, qui font pas mal d'analyses. Oui, mais j'ai essayé. J'ai déjà eu au téléphone Barbetta, anti-imposteur, toi-même, Zeroff. J'ai eu au téléphone d'autres, hein, Jules. Tu connais Jules, par exemple. Est-ce que tu as eu Maximus, Vincent, Jules? Est-ce que tu as eu Chrysalide? Alors, j'ai eu Jules, très bien. Et d'ailleurs, on est en petit contact. Je l'ai eu il y a 2 jours au téléphone, puisqu'il essaie de me contacter, puisqu'il sait que je sais tout. C'est pas compliqué. À un moment donné, c'est simple, je vous dis, j'ai une patate chaude depuis des mois, personne ne veut la prendre et puis personne quand je… Et personne non, quand c'est, je... Ah, c'est pas que ouais. Personne ne veut la prendre, c'est qu'il faut que tu te lances tout simplement. Ah oui, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un kamikaze pour se lancer. Quoi. Mais de toute façon, je vous annonce… Voilà, et moi je l'annonce clairement, hein. Tout ce que j'ai, ce sont des infos officielles. Donc aujourd'hui, qu'ils viennent pas… Que j'entende pas, que je n'ai pas de représailles ou quoi que ce soit. Moi, je suis un simple citoyen qui a simplement enquêté et qui a trouvé les failles avec des preuves flagrantes. Donc aujourd'hui, qu'il y ait une pression derrière ou quoi, les RG qui peuvent venir frapper chez moi, les preuves que j'ai, elles sont officielles. Elles sortiront. De toute façon, c'est impossible. Je ne mourrai pas sans que ça se soit sorti. Je ne garderai pas ça sous ma tombe. Et aujourd'hui,
Et puis demain, comment je ferai pour... Excuse-moi, je ne m'emporte pas, mais en fait, Je peux te et poser demain... une question, s'il te Oui, plaît? Je peux te vas-y. poser une question? Parce que moi, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu dis. Tu me parles de Colombel. Colombel, tu me dis qu'il est dans la... qu'il fait partie de la BPE. D'ailleurs, c'est lui qui dirige la BPE? Non, elle est au cadre à la BPE. Ah, il est au cadre à la banque. Alors, c'est la Banque publique européenne. En gros, c'est quoi? C'est une banque publique d'investissement? Banque privée européenne qui gère, qui est sous l'égide, qui était sous l'égide de Arkéa, fut un temps, et qui est une banque qui gère que des gros budgets, des patrimoines immobiliers. Que des gros, gros, D'accord, gros. donc ça veut dire que c'est une société qui produit du capital. Ce sont des millionnaires, alors, ce que tu es en train de me dire. Ah oui, complètement. Donc tu me dis, en gros, ce que tu essaies de nous dire, c'est que ce François Bouloux, il est issu d'un milieu, on va dire, plutôt favorisé, voire européiste, dirigé sur l'Union européenne. C'est ça que tu essaies de me dire. Complètement, mais je dirais plus, c'est que il faut savoir chercher à comprendre qui sont les Colombelles. Le Colombelles, on avait par exemple, si on retombe dans l'histoire, loin en arrière, juste avant la Révolution, celui qui apportait les doléances du peuple au roi, avant la Révolution, un espèce de ric en fait, hein, enfin, ou je sais pas comment on peut appeler ça, celui qui apportait les doléances au roi, ils étaient deux. Il y avait un dénommé Colombelles. Il y a du... Je t'entends plus, l'ami. On t'entend plus. Allô, allô. Il n'y a plus de son. Avec tous les dérives, j'ai pas beaucoup de maths. Les amis, est-ce que Et vous moi, je cherche entendez surtout quelque pas, chose? d'ailleurs. Allez, c'est bon, là, on t'entend. Donc, tu disais, ça avait coupé, là. Allô? Bon, ça coupe encore. Allô, allô, allô. Est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'on entend, les amis? J'ai besoin de savoir si vous entendez. Je ne suis pas le seul à ne pas entendre. Est-ce que tu peux relancer, s'il te plaît? Relance-moi le truc. Il y a un souci, visiblement, là. S'il te plaît, Steph, dis-moi si t'es là et je te relance. 1, 2, 1, 2. Bon. En attendant que tu reviennes, je vais prendre l'autre personne, mais c'est important de revenir sur ce que disait sur les Colombelles, ce que j'ai envie de savoir, moi. Alors, Seb, en attendant que Steph... Steph va passer en attendant que Steph revienne. Ça a sûrement un problème de connexion. Mais bien sûr, on va le reprendre. Il était en train de nous balancer quelque chose d'intéressant. C'est une évidence qu'on va le reprendre. Colombelles. Je vais faire des recherches par rapport à Colombelles. Bon, Seb, je suis en train de te relancer et je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Mais la joue est en cours. Hein. J'attends. Seb, il faut que tu vérifies aussi tes connexions. Parce que très souvent, c'est des problèmes comme ça. Donc là, je viens de te relancer. Et il faudrait, s'il te plaît, Steph, que tu me refasses la demande pour qu'on puisse entendre la suite sur Colombelles. Seb, la joue est en cours, mais ça met du temps. Tu dois avoir un problème de connexion. Attends un petit peu. Alors, putain. Alors, il n'y a pas de censure, les amis. C'est pas une question de censure là. Ça serait s'ils étaient censurés. C'est une question de coupure. Ou alors c'est moi qui ai un problème. Je ne sais pas. Il y a d'avoir un problème. Seb, relance-moi la demande, s'il te plaît. Quant à dire après. Bon. Je vais attendre. Commencez pas à psychoter les gens, hein. Moi, de la censure, j'en subis tous les jours. Il n'y a pas un jour où je suis pas emmerdé par Facebook, mais je m'en plains pas. On continue le combat malgré tout. Donc, allez, j'attends Steph qui se relance. Steph, relance-moi la demande, s'il te plaît. Seb, pareil, tu me relances la demande, s'il te plaît. Faut qu'on arrive à communiquer, les amis, hein. Faut qu'on arrive à communiquer. J'attends, j'attends. Ah, pourtant, moi j'ai les deux. Je suis en Wi-Fi et 4G, hein, donc j'ai pas de soucis particuliers. Sinon, je pourrais pas parler avec vous, les amis. Alors, c'en est où, Seb? Allez, c'est parti. Seb, je lance la joue. La joue. J'espère que tu avais regardé tes connexions. La joue est actuellement en cours. Y arriver. Ah, salut, bonsoir, ça va?
Bonsoir Seb. Alors, dis-nous, en attendant que Steph arrive aussi. Ouais, dis-moi, moi je suis le mouvement, j'étais un des premiers sur les ronds-points. J'ai lâché l'affaire parce que j'ai eu des problèmes de santé. Par contre, moi ce qui m'interpelle, c'est de continuer dans cette violence-là tous les samedis et d'arriver à rien et d'aller sur les péages, se prendre des flashballs, des trucs. Moi, je pense que la violence, ça va mener nulle part, sincèrement. Le vote, moi, je suis 100% avec toi. Pour moi, la carte, je l'ai déchirée, ça sert à rien. Par contre, faut savoir qu'on a des outils pour faire péter les banques. Moi, je pense que la priorité, c'est de tous s'unir pour faire péter les banques. Et les banques, pour les péter, le seul moyen qu'on a, c'est les moyens que le système nous donne. Et il y a des choses qui ont été publiées, hein, qui sont sur Internet, qui sont passées à la télé. Alors c'est sûr, on s'en a pas parlé pendant des mois et des mois. Mais il faut savoir que les TEG sont 7 TEG sur 10 sont calculés de manière frauduleuse. C'est-à-dire... Ben, c'est-à-dire que quand on te calcule ton TEG, par exemple, sur ton crédit IMO, on doit rentrer les frais de notaire, les frais de mandataire, les frais de courtier, les assurances, etc., etc., tous les frais annexes. S'il y a un des frais annexes qui ne rentre pas dans la colonne des tableaux, le TEG, il est faux. Et quand le TEG, il est faux, eh ben, la banque, elle est condamnée à payer. Et les banques, ils savent qu'ils sont à défaut, mais ils continuent parce que personne ne recalcule son TEG et personne ne réclame. Mais 7 crédits sur 10, en 2013, la cassation, elle a statué, et ils continuent. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur tort, ils continuent. Bon, moi, je pense que le bon moyen, ce serait de monter un collectif GJ. Et dans tous les GJ qui manifestent en France, qu'on voit à la télé, je pense qu'il y en a un paquet qui ont un crédit immobilier. Je peux te dire que si dans ce paquet-là, à 100%, on monte une association, il y a la FUB qui le fait aussi. La FUB, elle le fait gratuitement. Mais c'est sûr, on ne va pas te dire ça à TF1 à 8h le soir, que les banques, elles volent les gens et qu'il y a moyen de recalculer les TEG, de se faire rembourser l'intégralité des intérêts. Parce qu'il faut savoir que de 0 à 5 ans, quand tu t'aperçois de cette faute, eh ben la banque, elle est dans l'obligation de recalculer au taux d'intérêt le plus intéressant pour le consommateur, avec remboursement du trop-perçu. Et de 0 à 10 ans, remboursement dans l'intégralité des intérêts, plus une réévaluation de la mensualité. C'est énorme. Eh ben écoute, ça, c'est une information capitale en soi, bon, qui n'est pas le sujet de ce soir, mais tu as bien fait d'en parler parce que... C'est mieux que Vinci, c'est mieux que Vinci. Tu restes à la maison, les GJ, ils passent à tour de rôle, ils recalculent leur TEG. On lance un collectif, une attaque en collectif, parce qu'on ne peut pas attaquer tout seul, il faut être plusieurs. Mais il Non, n'y mais a je pas suis que ça, d'accord. j'ai d'autres choses encore à balancer. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais le sujet de ce soir, tu sais très bien que sur nos lives, en général, les constituants, on essaie de parler de tout, et notamment de la banque et de la finance internationale. Ça, c'est pas un Et ouais, souci. mais j'arrive pas à avoir la parole. Je t'ai trollé la parole, je suis désolé, mais impossible d'avoir la parole sur un site GJ, c'est la première fois que j'ai Alors, la parole. moi, ce que je te propose, si tu veux transformer ça en pratico-pratique pour les gilets jaunes et faire une action, voici ce que je te propose. Tu me contactes par Messenger, et moi, en général, j'ai qu'une parole par rapport à l'action de terrain, les gens le savent très bien. Tu me contactes par Ouais, non, Messenger. bah je te suis. Tu me contactes par Messenger, on se rencontre en réel et on fait une action. Tu viens avec les constituants. Les spécialistes chez nous, c'est les constituants du 93. Eux, ils connaissent Moi, la je suis dans le finance. 06, hein. Pardon? Je suis dans le 06, moi. Ouais, bah on va essayer. Ah bah après, il faut faire les efforts, hein. Il faut essayer de se rencontrer en réel et faire les efforts. On se OK. rencontre avec notamment les constituants du 93 qui, eux, mais maîtrisent à la perfection tout ce qui est finance internationale, la banque et tout ce qui a trait aux banques. On fait une action tous ensemble. Moi, je vous rejoindrai. Et puis on va aller faire ça et on balance tous les dossiers sur le terrain.
Alors, il y a une autre action qui pourrait être. Alors là, tu fais tout péter le système. Hein, si c'est véridique, il faut que je vérifie l'information. Mais je peux déjà te lancer les grandes lignes si tu as des gens de loi avec qui parler pour voir si c'est vrai. Apparemment, il y aurait titrisation des crédits. Il y a 890 millions qui ont été titrisés l'an dernier. Autant à venir, je crois, cette année. Sachant que quand tu vends une dette, tu vends le contrat avec. C'est comme quand tu vends ta voiture, tu vends la voiture, tu vends le carton, tu vends la carte grise. Bon, Ouais. mais quand les banques elles revendent des dettes, parce qu'elles ont besoin de rentrer de l'argent, donc c'est plus rentable pour elles de vendre les crédits et de récupérer l'argent de suite, elles vendent les contrats avec. Sauf que quand tu n'es plus en possession du contrat avec les deux signatures, eh ben tu ne peux plus réclamer la dette. Il te faut le contrat avec les deux signatures originales. Donc, ils auront toujours un document télécopié, numérisé dans l'ordinateur, mais ils n'ont plus le document original avec les deux signatures originales. Sauf que quand tu réclames une dette, tu dois avoir le document avec les deux signatures. Celle du souscripteur et celle du contracteur. Eh bien, dans ce Donc, cas-là, en voilà, il faut passant qu'on par un puisse. collectif, il y aurait moyen. C'est sûr que si tu vas tout seul devant la Ouais, banque, tu te fais plomber, tu ne fais pas le poids. En faut montant des trouver. Alors, collectifs. bon, je t'explique la situation. Je t'explique la situation. Il y a énormément de fronts à ouvrir. Et les constituants, on essaie d'être sur tous les fronts. Et je vous assure qu'on est fatigué, mais vraiment épuisé. Et on a besoin de monde. Donc, pour pouvoir que ton idée, en fait, chemine, et pour dénoncer cette imposture des TEG et de la renégociation des TEG, il faut que ça se concrétise par une action. Donc moi, ce que je t'invite à faire réellement, c'est de prendre contact avec nous par Messenger et on traduit ça. Tu viens avec nous en live et on balance tous les dossiers et tu balances tous les dossiers devant caméra. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi j'en pense que c'est bien, sauf que je ne suis pas calé sur le sujet. Moi je fais partie d'un groupe de personnes, c'est Michel Ferry qui dirige ça, c'est son Facebook. Vous allez voir Michel Ferry, elle est calée sur le sujet, puisque c'est elle qui. Moi ce que je suis en train de te répéter, c'est des choses sur lesquelles je me suis renseigné. Je suis allé voir des reportages, des ci, des ça. J'ai vérifié quand même les sources parce que je n'ai pas envie de passer pour un abruti en répétant des choses, mais les TEG, c'est du 200 000, 3 000%. Il y a la Cour de cassation, elle a statué en 2013. Les banques, elles ont été condamnées. Et je peux même te dire qu'il y a un gars qui perdait sa maison, elle était vendue aux enchères. Il a fait arrêter la vente aux enchères parce que grâce au calcul du TEG qui était faux, c'est la banque qui lui devait de l'argent. Et donc, l'argent que la banque lui demandait parce qu'il n'avait plus les moyens de payer, ben, c'était frauduleux. Donc, il a gardé sa maison. Enfin bon, c'est toute une histoire. C'était passé sur TF1 aussi, je crois. Donc voilà. Mais ça, c'est du lourd. Mais il faut le faire en collectif. Parce qu'il y a la FUB aussi. Je sais c'est la FUB, je crois, l'organisme qui s'occupe de calculer gratuitement le TEG. Parce que sinon, tu es obligé de faire appel à un mince. Un expert comptable, tu vois, puis il va te prendre un paquet de pognon pour faire ça, et tout le monde n'a pas les moyens d'investir dans le recalcul du TEG. Puis surtout, si ton TEG n'est pas frauduleux, bah, tu vas perdre de l'argent pour rien. Donc les gens, ils osent pas. Mais la FUB, elle fait gratuitement, mais les gens ne le savent pas. C'est ça le truc, les gens ne le savent pas. Les 7 crédits sur 10, c'est énorme. Si demain tout le monde le fait, je te jure que les banques, mais là, ça fera vraiment ça, ça va faire un carnage. Et encore une fois, voilà, moi je vais le redire, hein, c'est un sujet super important. J'ai écouté tous tes arguments, mais il faut que ça se traduise par une action, parce que sinon il y a tellement de fronts, mais vraiment tellement de fronts, on ne va pas s'en sortir. Et encore une Ah fois, ben je là, rappelle c'est deux fronts. Moi, je suis. Putain, tu sais quoi? J'ai l'intime conviction, ces deux fronts-là, s'ils sont vraiment menés avec fermeté et une organisation vraiment inébranlable, les banques, elles prennent cher. Hein. Alors, Les je vous banques, elles explique. prennent cher. Alors, il faut que j'explique quelque chose à tout le monde. Les amis, vous savez, il y en a beaucoup sur nos lives. Très souvent, ils nous disent, oui, mais il faut s'occuper de ça. Non, il faut faire ça.
Non, faut prioriser ça. Par exemple, mon ami Farid Abelghoul me dit, faut prioriser les enfants. Un autre, il va me dire, non, faut prioriser la franc-maçonnerie. L'autre, il va me dire, non, faut prioriser les banques. Et quelqu'un d'autre va me dire, non, faut prioriser la dette. Et il y en a un autre encore qui va me dire, non, faut prioriser les leaders d'affiches pour les dénoncer. Donc, les amis, moi, je veux bien, il y a 300 fronts différents. Je suis pas Superman. Les Constituants, c'est pas des Superman. On n'est pas des Avengers. Donc, voici ce que je propose. Parce que ce que tu dis sur le TEG, je l'entends bien, je l'ai déjà entendu d'ailleurs de la part des constituants du 93 qui m'ont parlé de ce problème. Donc, à mon avis, effectivement, ce que tu soulèves, c'est un problème important parce que tu n'es pas le seul à m'en parler et je l'ai déjà entendu. Donc, c'est pour ça ce que je te dis. Pour vraiment que ça se fasse, il faut que ça se traduise en action, c'est notre seule chance. Pour réveiller Et justement les gens. je vais te dire mieux que ça pour la centaine de gens qui sont là, on ne sait jamais. Ton assurance crédit que tu contractes, tu peux même demander le remboursement à la fin de ton crédit si tu n'as pas eu de problème et que tu n'en as pas eu d'utilité. Et les gens ne le savent pas. Et si le mieux, c'était finalement de ne pas te faire crédit tout court, en fait. Moi, par exemple, dans ce que je pense, dans mon éthique, enfin, j'essaie Oui. d'être éthique à ce niveau-là, c'est de faire zéro crédit, en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas l'argent, je n'achète pas, y compris une maison. Je n'ai pas l'argent, je n'achète pas, parce qu'il y a de l'usure dedans. Et l'usure, finalement, quand tu regardes bien, c'est le cœur de tout problème de la finance, c'est l'usure. Le problème de la Ah ben finance, c'est qu'il faut c'était devenir peine de finance mort, de hein. l'usure. À une époque, c'était peine de mort, l'usure, hein. Ben, on est d'accord. Donc. L'usure, c'est le problème numéro un de la finance internationale. Tu enlèves l'usure, la finance s'écroule. Donc finalement, la meilleure des actions à faire, les amis, mais arrêtez de consommer, n'achetez pas. Oui, Vous n'avez parce que pas les l'usure, moyens, n'achetez pas à crédit, c'est tout simplement. exactement, ça va être la base de l'argent-dette, en fait. Ben, c'est ça. L'argent dette, elle n'existe que parce qu'il y a l'usure. C'est clair et net. Elle n'existe que pas. Parce que c'est le crédit qui alimente le capitalisme. C'est le crédit usurier qui alimente la finance internationale. Donc il faudrait que l'économie devienne réelle et plus spéculative. Et pour qu'elle devienne réelle, mais il faut arrêter avec cette putain d'usure. C'est clair et net. Donc tous ceux qui disent qu'il faut combattre la banque, mais à côté de ça font un crédit, enfin, qu'est-ce que je peux faire pour eux, moi? Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment donné, il faudrait qu'on soit cohérent avec nous-mêmes aussi. Il faut qu'on soit cohérent. Et le problème, c'est que justement, on s'est trop laissé bercer par le modernisme et par la société de consommation. Et c'est ce qui a fait qu'on est devenus des esclaves, pas du système, mais des banques. Parce qu'aujourd'hui, on est leur esclave. Clairement, on est leur esclave. On achète une maison, en général, elle n'est pas à nous, hein. Pas à nous avant 20 ou 30 Non, ans. mais Et on est je vais esclave. aller plus loin, je vais aller plus loin que ça. Les gens qui achètent une voiture ou qui ont un permis et qui croient que ça leur appartient, ça ne t'appartient pas. La fraude Exactement. au nom légal, j'engage tout le monde à aller voir la fraude au nom légal. C'est quelque chose de très grave. Personne n'est au courant. En gros, je vais pas rentrer dans le sujet parce que j'en aurai pour toute la nuit, mais pour vite expliquer. Les marchandises, quand elles arrivent sur un territoire, le territoire, il a le bon de propriété et de production et il prend pleine possession du produit et de tout ce qui peut générer des problèmes, des bénéfices. Bon. En fait, il part du principe que l'homme est une marchandise. Et c'est fou, hein, ce que je dis, mais je te jure, c'est la vérité. Et l'acte de naissance n'est qu'un acte de propriété. C'est-à-dire qu'en fait, nos actes de naissance servent à l'État à ouvrir des comptes fiduciaires. Ils génèrent donc la dette sur ces comptes-là qui sont ouverts avec nos numéros de sécurité sociale. Et ils nous vendent en tant que manœuvre, hein. Hein, manœuvre productive. Et crée la dette à partir de ça, en fait. Enfin, il la crée pas, mais ils remplissent des comptes et ils se gavent de ces comptes. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, en gros, une marchandise perdue en mer, c'est tribunal de commerce, et les lois qu'on connaît, elles sont intimement liées aux lois Admiralty, les lois du commerce maritime. Et ils partent du principe que comme une marchandise arrive par les mers, on arrive par les eaux de notre mer. Alors j'invite tout le monde à aller se renseigner sur la fraude au nom légal.
Il y a plein de vidéos explicatives sur YouTube. C'est super bien expliqué. Il y a des gens qui ont fait un super travail. Allez voir la fraude au nom légal. L'homme de paille, le double fictif. En gros, rien ne nous appartient. Et on nous a rabaissé à l'état de société sur un double fictif administratif pour pouvoir nous juger. Parce que les lois des hommes sont des lois commerciales et ne peuvent pas juger les hommes. Donc, on nous a rabaissé au statut de société avec un nom. D'ailleurs, notre nom en lettres capitales, c'est directement inspiré de l'État romain, le Diminus Corpus. Excuse-moi, mon ami, excuse-moi, parce qu'il y a des gens qui veulent aussi passer au live. Voilà. Est-ce que tu pourrais conclure pour quelque chose par rapport à ta conversation? Quelle serait ta conclusion par rapport à tout ça? Ma conclusion, c'est surtout qu'il faut te suivre, il ne faut pas aller voter. Se rabaisser à voter, c'est vraiment se rabaisser à voter pour des maîtres. C'est une catastrophe. C'est catastrophique. Et les banques, taper sur les banques, sur ce que je t'ai dit tout à l'heure. Si on peut taper sur les TEG, voir s'il y a moyen de se renseigner avec des professionnels sur la titrisation, parce que la titrisation des dettes, ils sont obligés de revendre les contrats. Donc, ils ne sont plus en possession des contrats avec les deux signatures. Donc, les gens, ils ont juste à dire, eh ben, on ne vous rembourse pas. Vous n'avez pas le contrat, on ne vous rembourse pas. Donc ça, il faut vraiment avoir des personnes qualifiées derrière pour monter des collectifs et pouvoir leur tanner dessus. Donc voilà, c'est tout. Maintenant, sincèrement, informez-vous de la fraude au nom légal. Vous allez sur YouTube, vous tapez « fraude au nom légal ». Il y a deux, trois petites vidéos. C'est quand même pas mal expliqué. Ça va ouvrir les yeux à pas mal de gens. Ça marche. Il y a moyen de faire. Mais cette information, c'est vraiment quelque chose de capital. C'est vraiment très capital bien. De comprendre ça. Écoute, merci pour ton intervention. Et puis, voilà, comme je t'ai dit sur Messenger, si tu veux passer à l'action, n'hésite pas. Il faut maintenant Sûr. En acte. Voilà, mon ami. Là, je suis fatigué, je suis désolé, j'ai du mal à m'exprimer. 3 heures du matin. Écoute, je te souhaite bonne nuit. Et puis, n'hésite pas à revenir quand tu le souhaites. Voilà, super. Je te remercie. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bye. Alors, on va prendre l'autre personne. Bon, Gigi, papaye, si tu veux passer sur le live, j'arrête pas de te le dire, je te l'ai dit en privé, il faut que tu... Voilà, sinon Steph, si tu es encore là, il faut que tu me refasses la demande parce que ça avait coupé la dernière fois. Les amis, c'était un sujet très intéressant concernant le TEG et puis la fraude sur les actes de naissance, sur le nom, etc. Mais je vous rappelle, le sujet de ce soir, c'était les autoroutes. Et là, dans la deuxième partie de live, on parlait pratico-pratique, comment agir sur les péages. Je vous rappelle que c'est ça, les amis, le truc de ce soir. Et je vous rappelle qu'on n'est pas des Avengers et des Superman. On ne peut pas parler de tous les sujets, on ne peut pas maîtriser tous les sujets. Mais voilà, je laisse la parole quand même à ceux qui en ont besoin. Et c'est toujours bien à prendre des notes et puis qui n'hésitent pas à nous contacter pour des futures actions. Mais là, ce soir, c'est clairement les autoroutes et comment agir sur les péages pour libérer ces putains de péages. Voilà. Et surtout, les amis, arrêtez de croire qu'on peut être sur tous les fronts. C'est juste pas possible. Vous nous demandez l'impossible des fois. Sinon, moi, je vous invite à le faire vous-même. Faites-le vous-même, clairement. Alors, voter contre l'Europe, c'est aussi passer un message aux autres peuples européens, leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Moi ce que je dis, c'est si tu veux montrer quelque chose à tous les Européens, c'est de pas aller voter tout court. C'est mon avis. Voilà, chacun a son avis, je peux me tromper, mais moi en tout cas j'appelle les gens à ne pas voter, clairement. Voter c'est trahir, voter c'est continuer à légitimer un système qui n'est plus crédible, et on veut voir s'effondrer ce système. Donc il est hors de question de voter, c'est clair et net. En tout cas, pour ma part, c'est mon opinion, les amis. Après, faites ce que vous voulez. Si vous voulez voter, votez. Et moi je ne jugerai jamais ceux qui vont voter, mais moi en tout cas c'est mort. Clairement, c'est mort. Alors, je vais regarder les amis. Faites-moi vos demandes, sinon je vais arrêter le live, comme il est très tard, et que je ne veux pas être en monologue. Le but, c'était l'échange sur la fraude des autoroutes par rapport à Vinci et Eiffage. On vous a montré en première partie de vidéo les réalités de ce qu'était le groupe Vinci. Et donc, la deuxième partie de ce live, c'est le pratico-pratique. Et là, je fais un appel et je renouvelle mon appel, les amis. Tous ceux et toutes celles qui veulent s'investir, contactez-moi et on va monter des équipes pour reprendre les péages.
Je fais un appel national à la reprise de tous les péages, comme on faisait fin novembre et tout le mois de décembre, pour qu'on retrouve notre ADN de gilet jaune, clairement. Voilà. Et surtout, j'appelle à l'union, à l'unification, et arrêtons de nous diviser pour un oui et pour un non. Tous ceux et toutes celles qui font des recherches sur les pseudo-leaders, etc., c'est très bien, faites-le. Mais s'il vous plaît, n'en faites pas une priorité. La priorité, c'est l'oligarchie, de combattre nos ennemis. Je vous rappelle qu'on a des ennemis qui eux-mêmes payent les acteurs de crise. Donc moi, c'est l'ennemi qui m'intéresse. C'est pas les conséquences, c'est la cause. C'est la cause. Voilà. Alors, Guigui, bah, je sais pas, qu'est-ce que t'attends là? Depuis tout à l'heure, je te dis, fais-moi la demande. Tout le monde y arrive, pourquoi t'y arrives pas? Faut que tu fasses la demande. Normalement, t'as une pastille verte. Tu appuies dessus, tu me fais la demande. C'est pas compliqué. Non, voilà, il y a quelque chose qui m'énerve de plus en plus, par contre, les amis. Moi, je vais vous le dire en face, je suis désolé, mais il y a quelque chose qui m'énerve chez beaucoup. C'est que vous êtes plein à nous dire, non, il faut faire ça, faut prioriser ça, faut faire ça, arrêtez de faire ça. Et putain, on a l'impression qu'on a des donneurs d'ordre toute la journée. Et les amis, faut vous bouger le cul à un moment donné. Faut vous bouger le cul. Vous attendez qu'on fasse tout à votre place ou quoi? Responsabilisez-vous. Vous voyez qu'il n'y a pas de groupe dans votre région, et ben lancez un groupe. Vous voyez qu'il n'y a pas de groupe dans votre quartier, dans votre département. Mais faites quelque chose. Faites quelque chose, les amis, clairement. Et à un moment donné, vous ne pouvez pas demander aux autres de faire à votre place. Ça, c'est juste pas entendable. Ah oui, bah carrément, pour les parkings payants sur les hôpitaux, c'est un scandale. Nous, on avait fait une opération justement en convergence avec ceux de l'hôpital de Corbeil-Essonnes, là, dans le 91, où on avait démontré que c'était devenu payant. Et on avait fait une petite action qui avait payé, ma foi, hein, puisqu'il y a plein de particuliers du coup qui n'ont pas payé le parking de l'hôpital et ça faisait plaisir. Ça faisait plaisir. Donc voilà, les amis, s'il n'y a pas d'autres demandes, je pense que je vais arrêter là. Je pense que ça suffit. Voilà, on a fait on a plusieurs heures de live. Et donc voilà. Mais non, mais Barbara Morgan, ben voilà, mais moi ce qui est fatigant, vous voyez, ce qui est fatigant, c'est qu'il y en a plein qui nous disent il faut, y a qu'à, faut faire. Ben bougez-vous le cul, bordel. Bougez-vous le cul vous-même. Parce que ça commence à bien faire de demander toujours aux autres de bouger. Tout le monde doit se responsabiliser. Si vous voulez que l'avenir de vos enfants y change, si vous voulez que l'avenir du pays change, c'est à vous de bouger. Arrêtez d'attendre les gens. Bougez. Il n'y a personne dans votre région? Eh ben bougez, soyez le moteur. Et responsabilisez-vous. C'est là que vous deviendrez utile pour la société, et utile pour les gilets jaunes, et utile pour l'avenir de votre pays. Clairement. Clairement. Nous, quand on a commencé, on était seuls, hein. On était que deux ou trois, hein. Oui, mais je me bouge grave, ok, mais j'ai voté contre Macrouille. Mais alors, mais Macron, c'est rien, mon ami. Macron, c'est rien. C'est qui, Macron? Macron, c'est qu'un pion, je vous l'ai dit. Et je vous le redis, les amis, Macron, il sera remplacé. Il va être remplacé très prochainement. Vous voyez pas que Branco, il est en train de monter en puissance? Moi, je vous fais le pari aujourd'hui que Branco, pour la présidentielle de 2022, il va occuper un rôle. Il va jouer un rôle. Vous allez voir. Vous allez voir, vous verrez bien. C'est une évidence. C'est une évidence. Macron, ça y est, l'oligarchie est en train de le lâcher. Ils avaient besoin de lui. Maintenant, ils vont s'en débarrasser tranquillement. Ils préparent déjà le futur candidat. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. Bah, je suis désolé, Guigui, mais malheureusement, je peux rien faire. Si toi, tu fais pas la demande, je ne peux pas te mettre. Alors attends, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Est-ce que tu apparais déjà dans la liste? Je vais regarder si tu apparais dans la liste. Alors, est-ce qu'il apparaît dans la liste? Visiblement, non. Il n'apparaît pas dans la liste. Il faut que tu sois au moins dans la liste. Et je ne sais pas pourquoi tu n'y apparais pas. Je vois Linda, Isabelle, Sandrine, David, Cybelle, Ali Bekti, Marie-Hélène, Alice, Nadia Shah, Audrey, Siem Hadjadj et Salia. Voilà. C'est les gens qui apparaissent sur la liste. Non, mais voilà, par contre, c'est vrai. Voilà, bon, c'est bien. Il y a des gens qui font un travail sur les acteurs de crise, c'est une bonne chose. Mais les amis, ne soyez pas obnubilés par ça. C'est ça que je vous dis. C'est très bien qu'il y ait un travail fait là-dessus, mais n'oubliez pas qui sont nos ennemis à la base. Qui sont ceux, justement, qui payent les acteurs de crise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les oligarques et leurs idéologues. C'est surtout eux qui m'intéressent. Donc voilà, clairement. Et donc justement, les amis, vous voulez que cessent les divisions? Eh ben, faut créer des actions unificatrices. Et l'action la plus unificatrice pour moi, qui me semblerait la plus évidente, c'est justement les péages, la reprise des péages massifs. Clairement.
Non, mais c'est ça, Haro Christophe Vigilman, c'est ça qui m'énerve justement. Ce qui m'énerve, c'est que les gens, ils attendent toujours qu'on fasse à leur place. Et ça, c'est saoulant, putain. Qu'est-ce que c'est saoulant? Il y a des fois, ça me rend ouf. Il y a des fois, ça me rend ouf. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie de l'histoire du peuple de France. Et il faut toujours aller au charbon pour les autres, malheureusement. Malheureusement. Jusqu'à temps qu'il y a des gens qui se réveillent, quoi. C'est ça qui est assez hallucinant. Merci à toi, Maxime Moine. Merci à toi, Maxime Moine. Pas de souci. Mais oui, les amis, je te remercie, CM. Mais tu vois, on commence à être fatigué. Je vous cache pas qu'on commence à être fatigué. Et à un moment donné, il va falloir aussi que les gens se bougent, hein, parce que sinon, tout seul, on n'y arrivera pas. Voilà, on essaie de faire ce qu'on peut. Je vous assure, au niveau des constituants, on essaie de faire ce qu'on peut, mais on a des limites. On est des êtres humains comme tout le monde, on a des limites. Et là, il faut que ça bouge, les amis. Il faut que ça bouge. Là, et là, maintenant, il faut frapper un grand coup, parce que si on frappe pas un grand coup, ça va être compliqué. Ok, Haro, j'irai voir. J'irai voir. J'irai voir. Bon, voilà, les amis. Si je vois qu'il n'y a pas de nouvelles demandes, dans 5 minutes, j'arrête, même un petit peu moins. Je vais regarder la liste. Non, toujours pas de demandes. Ok. Donc. Sur ce, les amis, donc je vais conclure. Après ces deux parties de live, la première partie était la plus intéressante. On a décrit qui était Vinci, on a décrit comment se sont fait la privatisation des autoroutes et le scandale et les milliards d'euros comment dirais-je, qu'ils ont amassé avec le temps. Non, non, le bon Comar, t'inquiète pas, je suis tranquille, hein, il n'y a pas de souci, c'est ma manière de parler, c'est tout. C'est pas un mois de fête, c'est un mois spirituel, ça n'a rien à voir. C'est un mois spirituel et un mois de jeûne. La fête, c'est juste à la fin, c'est le jour de l'Aïd. Mais oui, on essaie justement de se calmer, de se canaliser. Le mois de Ramadan nous permet aussi de devenir plus doux, plus compréhensif, plus. Voilà, c'est un peu l'objectif. En tout cas, voilà, je vous remercie pour avoir suivi ce live. J'espère que beaucoup d'entre vous, vous allez réaliser ce qui se passe actuellement. Et j'espère que beaucoup d'entre vous allez bouger sur le terrain, les amis, pour qu'on mette fin à cette mascarade du racket fiscal des autoroutes. Et ça, croyez-moi, c'est une action qu'on peut tous faire, mais vraiment tous faire. Il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance d'un dossier ou quoi que ce soit. Faut juste prendre son courage à deux mains. Comme je vous l'ai dit, je vais répéter le matériel nécessaire. Vous partez en groupe, si possible en soirée. C'est toujours mieux, il y a moins de flics et c'est toujours un peu plus calme. Et donc moins de risques qu'en journée. Vous allez ensuite ramener des sacs poubelles, du scotch pour scotcher les caméras sans les dégrader pour que justement les gens passent tranquillement, qu'il n'y ait pas de PV. Vous levez la barrière. Il y a toujours quelqu'un de votre groupe qui négocie avec les autorités de la gare de péage ou bien les flics pour pouvoir rester le plus longtemps possible. Voilà, vous avez tout ça les amis et c'est parti. Voilà. Bon, sur ce les amis, je vais vous laisser. N'oubliez pas, pas de division, on essaie d'unir toujours. Même s'il faut faire un travail pour démystifier les imposteurs, c'est une chose, mais ne pas oublier que c'est l'oligarchie notre réel ennemi, et il faut s'unir, bordel de merde. Il faut s'unir. Et bien entendu, Val JBT, tu as tout à fait raison, on ne casse rien dans les péages. On lève les barrières, on fait retrouver le sourire aux gens, ça se passe très bien, solidarité, bon enfant, bonne ambiance, et c'est comme ça qu'on y arrivera. Voilà les amis. Sur ce, je vous laisse, je pense que. Je pense que voilà, j'ai fait ce que j'ai pu moi pour essayer de réveiller les gens par rapport au péage. Donc maintenant, je laisse les gens devant leurs responsabilités. Et nous, on va agir dans les prochains jours. En tout cas, on va lancer une grande offensive. Et puis, voilà les amis, sur ce, bon courage à vous et tous ceux, toutes celles qui veulent participer à l'offensive sur les péages, vous me contactez. N'hésitez pas. Voilà les amis, sur ce, je vous laisse. Une bonne nuit à tous et à toutes.